C'est quoi ce plan de barrer l'accès de la cuisine? Tu as encore dû trop manger, Gorgeous, et tu fais un cauchemar. Branche le circuit de surveillance vidéo, Bud. Essayons de tirer ce mystère au clair. Gorgeous n'a pas rêvé. Il y a des barreaux partout. Oh, c'est quoi ce petit bonhomme ridicule? Quoi de neuf, Ernie? Je sens que ce soir, tu vas te régaler, mon vieux. T'as du canard à l'orange. Charles Hubert, tu sais que j'adore la cuisine de la prison. Oh, ils ont un drôle de genre, c'est des artistes, sans doute. Tout cela ressemble plutôt à un pénitencier. L'homme en uniforme est un garde. Le gros derrière les barreaux est un prisonnier. Tu as raison, Stéréo. C'est le système humain de la punition du crime par le châtiment. Ouais, ben je vais leur en flanquer, moi, un châtiment. Ils ont pas le droit de bloquer la cuisine, c'est sacré. Pas de problème, nous sortirons par la fenêtre. Et tu veux dire cette fenêtre, Ethno? Ça va, Ernie? Y a rien de tel qu'un peu d'exercice pour vous ouvrir l'appétit, pas vrai? Et ne force pas trop quand même, tu pourrais te faire un petit coup de chaud. T'as raison, c'est vrai, je me sens un peu faible, qu'est-ce qu'il y a à manger? Une bonne grosse assiette de goulash. J'espère qu'il parle pas du goulash de tortue que je m'étais mijoté. Oh, l'avantage de cette formule, c'est qu'on ne risque pas de voir arriver de nouveaux locataires. Oh, d'une certaine façon, on peut dire qu'on a de la chance. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Ça y est, j'ai trouvé. Voilà ton petit déjeuner, Ernie. Oh, super! Oh, des crêpes à la sûre. Merci, Charlup, t'es mon pote. Hey, mec, t'es nouveau dans le coin. Nouveau? Oh non, ça fait déjà plus de 20 ans que je suis arrivé ici. On a décidé de se faire la belle, t'en es? Mais va de... Oh mon Dieu, non! Ici, c'est ma maison. Puis en plus, j'aurais drôlement peur si j'étais dehors. Dis pas de bêtises. Pense un peu à tout ce qu'il y a dehors. Les jeux vidéo, la télé numérique, des bagnoles extra et plein de jolies poulettes qui t'attendent. Et tous les goulages de tortue au chocolat que tu pourras t'enfiler. J'en suis. Juste un truc, attendez-moi là. Hé, Charlup, tu serais d'accord si je m'évadais? T'es assis sur mon plumard, machin. Pardon, j'ignorais que c'était le vôtre. Hein. Nous, les nouveaux, on les mate. Aïe! Oh non, non, pas la tête! Aïe, aïe, non, pas la... Oh. Lui, il a de la carpe farcie. Pendant que nous, on se tape des faillots. Oh, ces flageolets me rappellent le Victor et le week-end qu'on a passé ensemble dans les sulfatars de Cassiopée. Ah, oh, je viens d'avoir une idée. On mastique un peu avec beaucoup de salive
et admirez le travail. La clé de l'évasion. Et il est pas vrai, Gugus. Mais qu'est-ce que tu fabriques? T'es pas un peu féline, non? Pas question de t'emmener tout ça. Non. Oh, c'est le strict nécessaire. C'est mon kit de survie en milieu hostile. Au revoir, Charles Hubert. Tu sais, jamais je ne t'oublierai. Hey, Charles Hubert! Les nouveaux, on leur fait toujours une petite fête. Enfin, j'ai toujours la petite cuillère que grand-mère m'a donnée. Impeccable, ça devrait faire l'affaire. Ta petite cuillère, Candy. Ça fait drôlement peur ici. J'ai du mal à respirer. Ça doit grouiller de bestioles ici. Il fait de plus en plus sombre en plus. J'ai comme l'impression qu'on tourne en rond. Où on est? Toute cette poussière, ça me donne envie d'être... Salut, je m'appelle Candy, hein? Et vous, comment vous appelez-vous? Hein? Hey, tu me fais penser à mon plus vieux pote. Et il vient de se tirer avec ma meuf. Je sens que je vais bientôt craquer. Dépêchez-vous, les gars. Dépêche, on ne tiendra pas très longtemps comme ça. Ça y est, je suis. Oh punaise, balance pas cette enclume. Non, t'es dingue. J'ai fait tout seul comme un grand à l'atelier de la prison. Vous avez réussi. On s'est bien amusé. Mais il faut que je regagne ma cellule, parce que demain est un jour pas ordinaire. C'est le dernier que je vais passer ici. Et je voudrais pas manquer mon gueuleton de libération. Il y aura des gâteaux et des glaces. Charles-Hubert, ouvre-moi. C'est moi. Tu peux méditer autant que tu voudras, hein, banane. Lorsque tu rouvriras les yeux, tu seras toujours au pénitencier, hein. Distribution du courrier. Il y a une carte postale pour vous, les gars. Je me demande qui nous l'envoie. On reçoit jamais de courrier.